Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita Osterbeck de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il s'agit d'une vidéo de formation sur une formation qui a commencé depuis 2 ans et demi sur la lecture et interprétation d'un texte spécifique en Ayurveda qui est l'Ashtanga Hridayam. Donc il s'agit d'une vidéo assez profonde, complexe, donc c'est pour les personnes qui sont assez passionnés de l'Ayurveda, qui sont déjà des thérapeutes ou qui sont des passionnés en Ayurveda et qui veulent approfondir cette thématique. Si vous êtes débutant, vous avez plein d'autres vidéos à regarder sur la chaîne. Je vous invite à regarder sur les différentes playlists. Il y a des playlists pour les débutants, il y a des questions-réponses, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec cette leçon. C'est parti! Raga dirogan satatanu shaktan asheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohar atidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo. Je m'aligne. À cette série Vidvedanu Samhita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Chapitre 4. Le chapitre de prévention des maladies. Roga Adoptadanya Adhyaya. On a commencé cette lecture depuis quelques vidéos déjà. Donc, pendant que vous êtes en train de rentrer ici, je vais regarder un petit peu tout ça. Bonjour, bonjour à tout le monde. Commencez à rentrer. Prenez votre cahier de travail, prenez votre summit, commencez à mettre des likes, mettez des likes sur cette vidéo et on va commencer. On va continuer donc notre lecture. On est dans le chapitre 4. Je pense que la semaine dernière, on a fini le shloka numéro 12. Donc on a déjà lu beaucoup de choses. Donc c'est ça, shloka numéro 12. Donc la semaine dernière, on a parlé des conséquences naturelles de la suppression du sommeil, Nidraya, et la conséquence naturelle de supprimer Kshudaha, la faim. Donc la suppression de la faim et la suppression du sommeil. Donc aujourd'hui, c'est 118. On va sauver. Ok, donc on a supprimé le sommeil, on a supprimé la faim et on va voir qu'est-ce qu'il nous garde pour aujourd'hui. Si vous êtes nerd ayurvédique, vous êtes en train d'accompagner cette série, vous aviez des devoirs. C'était quoi? C'était translittérer les shlokas 13 et 14, c'est les shlokas qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais translittérer avec vous aujourd'hui, mais l'idéal c'est que vous avez déjà translittéré avant. Donc l'idée, c'est d'arriver déjà avec la translittération faite au lieu d'arriver ici sans rien. Comme ça, vous allez voir ce que vous avez, quelles sont les fautes que vous avez eues. Donc voici ce qu'ils disent les shlokas. Kasasya rodhatad vruddhi shwasa ruchi hrudamayaha shosho hidma chakaryetra kasaha sutara vidhi. Donc on va translittérer ça pendant que tout le monde est en train de rentrer dans le live. Donc je vais changer ici. Kasasya, kasasya, rodhatat, rodhatat, vrdhi, rodhatat vrdhi. Shwa sa ru chi hrda maya ha 13. J'ai mon computador. Mon ordinateur, il a des problèmes aujourd'hui. Chaud. C'est deux.
Consonantes différentes. Chaud, chaud. Id, ma, ch, kariatra, 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 kasha, sutra, sutra, vi, ti, Sutaravitihi. Beleza. Donc on va commencer. Donc docteur Louise, comment vas-tu? Tu vas? Marcus Fabi, bonjour. Jenny Bank. Ok. Roberta, bonjour. Merci d'être là. Donc je suis en live aujourd'hui. Wouhou! Super, soyez bienvenus. Chris Dantas, Ricardo Barrantes, c'est super, tout le monde est là. Doyanashi, c'est très bien. Donc on va commencer. Casas. Donc rappelez-vous de qu'est-ce qu'on est en train de parler dans le chapitre 4. Donc on parle de ce qu'on devrait faire pour avoir la prévention des maladies. Donc il commence le chapitre en train de parler des impulsions physiologiques, des besoins physiologiques, les vagus. Et il parle de qu'est-ce qui se passe quand on supprime les vagus. Donc il fait des listes et des listes. Et il est en train d'expliquer ce qui se passe quand vous supprimez des selles, quand vous supprimez les urines. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites chaque chose. Donc ça, c'est très important parce que c'est le chapitre 4. Donc c'est la base de la connaissance en ayurvédique. Donc vous faites des tests ayurvédiques. Vous arrivez en Inde pour faire du Panchakarma. Vous faites des formations pour faire Abhyanga. Et vous ne savez pas sur l'importance des Vegas et de comment il est important de respecter les Vegas dans le besoin pour la santé humaine. Ici, c'est dans le chapitre 4 de le Sutrasthana de l'Ashtangridayam. Donc, c'est une connaissance basilaire de l'Ayurveda. C'est vraiment une base en Ayurveda. Et il y a beaucoup de personnes qui passent sur ça sans y réfléchir. Donc, c'est très important pour vous d'étudier ça. Et donc, après, il dit. Cassia, então chegamos. Kasasya, c'est l'impulsion de l'atout, le besoin de tout. Rodhat signifie. Signifie quand vous supprimez, quand vous contrôlez, quand vous arrêtez l'atout. Kasasya, Se você já. c'est une conjugation grammaticale en sanskrit. Et rodat. Donc, on va essayer de séparer ça. Ici, vous le voyez, vous l'avez bien séparé. Donc, c'est quand on arrête une impulsion de toussir, d'avoir la toux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tata. Tat. Donc, ça. Tat. Tat. Vridhi augmente. Au moment que vous arrêtez le besoin de la toux, qu'est-ce qui se passe avec ce besoin de la toux? Ça devient encore plus fort. Au moment où vous essayez d'arrêter la toux, vous laissez la toux encore plus aggravée. Donc ça empire votre propre toux. Qu'est-ce que ça génère encore? Chouasse. Chouasse. C'est un problème de respiration, c'est une difficulté respiratoire. Il y a différents types de chouasse. On va arriver là, dans le Nidanasthana, dans le Chikitasthana, et on va parler des différents types de chouasse. Mais là, pour débuter, le chouasse, c'est un problème respiratoire, du tract respiratoire. Donc la suppression du besoin de toux crée aussi des problèmes de respiration.
Shwas et Aruchi. Aruchi, on a déjà vu dans la vidéo dernière, c'est quand on regarde les aliments et qu'on n'a pas envie de manger. Donc c'est très souvent traduit comme une appétence à manger. C'est un manque d'appétit en fait. Rude hamaya. Rude hamaya. Hamaya, c'est une maladie, c'est un problème. Homme, quand on dit que la personne elle est avec homme, ce mot homme signifie cru, littéralement. Mais c'est aussi une signification directe dans l'étude en Ayurveda que vous êtes malade. Qu'il y a un problème ou un rut dans la région cardiaque, dans le centre. Donc, Rudamayaha, c'est un problème dans cette région, dans cette zone cardiaque. Shosha, Shoshaha, Shosho. On va arriver un jour à cette règle de sanskrit. Donc, ça, c'est un sandhi. Donc, ça, c'est ça. Shosha Hidma. Donc, c'est une petite règle de sanskrit de Visarga. Donc, à cause de ce Visarga, il se transforme comme ça. Sho, sho. Et sho, shoha. Donc, ça, c'est quand on a déjà parlé un petit peu de ça. C'est quand la personne elle est en train d'amaigrir, quand elle commence à perdre des tissus. Donc, c'est une maladie où la personne elle perd du tissu. Hidma, c'est quand le diaphragme il est désarrangé avec l'expansion pulmonaire et qu'on a des hoquets. Donc, quand on supprime le besoin de la toux, une des conséquences qu'on peut avoir, c'est les hoquets. Tcha. Donc, ça, c'est une liste. Le tcha, c'est comme si c'était un proverbe, un adjectif, je ne sais pas comment dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous supprimez le kassasya, ça fait l'augmentation de la toux, ça fait chouas, ça fait aruchi, ça fait rutamayaha, ça fait chouche et ça fait hidma. Donc, tcha, 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 c'est comme si on disait et. Et inappétence, et problème de respiration, et problème cardiaque, et le corps devient est émacié, fragile, et. Donc, le tcha, c'est comme une addiction, entre guillemets. C'est une particule additive. Karyo-atra, karya-karyaha-atra. Donc ça, c'est un sandhi. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce style de sandhi. Qu'est-ce que c'est cette division ici? Ça, c'est un avagraha, ce S. C'est un avagraha. Donc, pour vous qui êtes déjà depuis le chapitre 2, ici c'est difficile. Donc, ici on a un E, mais on ne va pas le prononcer. Quand on le prononce, on dit kariotre. Kariotre. Donc, on va lire Kariotre. Mais qu'est-ce que c'est écrit ici à l'intérieur en réalité? Ce Avagraha, en réalité, c'est un E. E. Ce Kariyo, c'est pas un O, c'est un Visarga. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est écrit? C'est Karyaha Matra. Karyahatra, et comme vous dites très rapidement, en pratique, dans la prononciation, karyahatra, ça fait karyotra. Pourquoi on fait ça? Il y a une série de procédures. Karyotra. Après le E,
se transforme dans un avagraha. Donc je sais qu'on n'a pas encore étudié ça. Donc c'est des procédures de sandhi. Je vous montre, même si vous n'avez pas encore étudié, juste pour vous montrer que ça existe. Donc au moment où vous êtes en train de lire ça dans l'original, vous savez que ce mot ici, c'est « autre ». Mais au moment que vous prononcez, vous ne pouvez pas le prononcer, parce que ça, c'est de la poésie. Vous pouvez pas... la poésie, il y a la métrique. Donc vous devez la respecter. Asaha sutara vidihi. Donc ça, c'est le rag de ce verso. Si je prononce le E, je vais casser le rag. Tohidma chakaryo atra kas. Você quer... Vous cassez l'ordre si vous prononcez le A. Donc les procédures des sandhis, ils rentrent ici aussi pour justifier la métrique de la poésie. Donc, si on était en train de lire Camões, c'est un poète portugais, il y aurait des procédures grammaticales un peu comme ça. Donc, je sais que c'est du détail, mais comme vous êtes des nerds ayurvédiques, j'ai décidé de vous expliquer ce sandhi. Donc, vous avez Karyah Atra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ce gars qui a supprimé la toux et qui a tous ces symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux? Kasaha. Vidihi. Então, sutara vidihi. Vidihi, c'est la procédure. C'est des techniques, c'est des procédures spécifiques. Sotara, spécifiquement, c'est comme si c'était un superlatif. Il dit que dans ce cas où la personne elle a supprimé la toux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez spécialement faire les procédures, les solutions pour CAS, pour la maladie qui s'appelle CAS. Le mot qui signifie CAS signifie la toux, mais ça signifie aussi une maladie qui s'appelle CAS. C'est quand une maladie où la personne est là de la toux. Donc la toux pour l'Ayurveda, c'est un symptôme, mais c'est aussi une maladie, un processus pathologique complet. Donc il y a des chapitres entiers sur CAS. Donc, s'il y a ces problèmes ici, il faut faire les thérapies spécifiques qu'on va décrire par la suite, des procédures spécifiques pour la maladie CAS. Donc, là, on se dit, mais on n'a pas encore étudié ces procédures. Donc, il nous laisse un petit peu comme ça. Il ne va pas nous avancer plus de solutions. Il dit qu'il faut faire des traitements pour CAS et c'est tout. Les recommandations de CAS, elles doivent être adoptées sous Tara de façon très importante. Donc je sais que ça ressemble un petit peu que la réflexion à l'impôt circulaire ici, mais c'est ça que le shloka il dit. Dans les chapitres de CAS Chikits, on va comprendre CAS de façon différente que la médecine moderne, parce que CAS va être une maladie. Va être compris comme une maladie et pas comme un symptôme. Dans notre culture, la toux, c'est un symptôme. Et c'est une partie de d'autres processus. Mais pour l'Ayurveda, non, c'est une maladie. Ok? Donc, s'il y a des questions sur ça, vous pouvez le noter dans les commentaires. Et on va regarder après. Donc, on va essayer d'avancer parce que j'aimerais faire au moins deux shlokas à chaque rencontre. Il y a un moment où je vais arrêter de translittérer et on va commencer à lire direct. Donc, chaque fois, votre devoir de translittération va devenir de plus en plus important. Donc, je vous ai déjà prévenu. Si je vous préviens, c'est parce que je suis votre ami. C'est très important que vous commenciez à faire les devoirs de la maison si vous êtes un nerd ayurvédique et que vous voulez progresser. Cette série ici, la série de Vidavedana Shamitesh, c'est pas une série pour gagner un Oscar ou
pour beaucoup s'améliorer. C'est vraiment pour les personnes qui doivent être vraiment très dédiées et qui sait et qui veut apprendre l'Ayurveda en accord avec les samhitas. Donc il y a plus de 40 personnes ici online avec nous. Il n'y a que 15 likes. 40 personnes online et 15 likes. Pourquoi? Et quand vous arrivez, il faut que vous arriviez, que vous mettez déjà un like direct. L'accès, c'est une série qui est très peu vue par tout le monde, donc c'est important que vous mettiez vraiment un like, parce que sinon on peut pas continuer à avancer. Donc on va continuer ici avec le shloka 14 et 15. Gulmahrudroga Samoha Shrama Shwasa Dvidharitat Hitam Vishramana Tatra Vatagnascha Kriyakramaha. Donc on va translittérer chat maintenant. Ah, donc je vois qu'il y a des likes qui sont en train d'arriver. Donc quand vous arrivez, vous commencez déjà à liker. Ça aide beaucoup la chaîne et ça vous coûte zéro. Moi, quand je regarde des chaînes sur YouTube, j'arrive et je like direct. Ma hrudroga sammoha gulma hrudroga sammoha shrama shvasa dvidaritat. Hitam Vishramana, Vishramana, deve ser Vishramanam. Acho que está faltando. Acho que eu escrevi errado. Je crois que je me suis trompée quand je l'ai écrit dans la conjugation. Hitam Vishramanam Tatra. Eita ferro, calma aí. Volta, volta, volta. Vishramanam Tatra Vata Gnascha Kriya Kramaha. Kriya Kramaha. Mudou. Il y a quelque chose qui a changé ici dans cette lettre, n'est-ce pas? Elle a changé, il y a un problème ici. Il y a un problème de métrique ici. Qu'est-ce que c'est ce Danvangri? Ah, ok, c'est bon. Donc il va continuer. Il va continuer en train de parler de quelqu'un qu'on ne sait pas encore qui est exactement. Donc il parle de Goulma. Goulma, c'est une maladie spécifique qui arrive dans la cavité. Je fais ici, je ne sais pas si vous voyez dans la caméra. Ça arrive ici dans la cavité abdominale spécifiquement. C'est comme si c'était une distension abdominale. Goulma. Rudroga. Rudroga. Donc, ici, il utilise le mot Rudroga au lieu du mot qu'on a utilisé auparavant. Ici, il a utilisé Rudamayaha, qui est ici. Rudamayaha, c'est très semblable avec Rudroga. Ama signifie maladie. Et droga aussi signifie maladie. Et rud signifie le cœur cardiaque. Donc, on a aussi dans le Chikitsasthana quelque chose qui explique ce que c'est gulma. Et donc, rudroga, c'est une maladie de la région cardiaque. Et sammoha, c'est un problème quand on arrive à perdre la conscience, une syncope. Je pense qu'on a déjà parlé une fois. C'est la perte de connaissance. Shrama, Shramashwas. Shrama, c'est quand on est fatigué, quand on fait une activité physique, mais quand on fait une activité physique très intense et après on est fatigué de cette activité physique, ça c'est Shrama. Shramashwas, c'est la respiration offégante
qui arrive quand la personne elle est fatiguée de l'activité physique. Shramashwasa, c'est le nom de cette respiration. Donc ici, il est en train de parler de quand on supprime Shramashwasa. Donc, on est parti courir et là, on est devenu au fig, on a cette difficulté, cette respiration plus rapide. Si vous supprimez ça, là, il va avoir plein de problèmes. Et donc là, cette liste de problèmes, on va la lire. Par exemple, Gulma, Rudrog, des problèmes cardiovasculaires dans la région cardiaque. Sammoha, vous pouvez avoir une syncope, vous perdre connaissance. Donc c'est logique. Vous faites une respiration rapide parce que votre corps il est en train de demander de l'oxygène par rapport à l'activité physique que vous avez eue. Et là, si vous supprimez ça, vous supprimez l'oxygène que votre corps il vous demande. Donc vous perdez conscience, c'est logique. C'est pas mora du portugais. Mora, c'est mourir. C'est pas ça. C'est mora, c'est l'évanouissement. Shramashwasa, ça c'est un sandhi ici. Donc vidarita, vidaritat. Où est-ce qu'il est ici dans mon livre? Vidaritat. Donc, si vous faites la suppression, hitam, shra, tatra, donc il utilise le même tatra qu'on a utilisé ici, le kariyotra, tatra, tatra, c'est la même chose. Vishramaram, tatra, vatagnanscha, kriyakramaha. Donc, si vous supprimez. Si vous faites vidarita avec, si vous supprimez votre besoin physiologique de respirer rapidement après une activité physique, vous allez avoir gulma, rudroga, samoha. Et donc, comment est-ce que vous allez lider avec ça, avec ce processus? Il y a différentes façons de lider, d'agir sur ça. Hita signifie les choses qui sont bonnes pour la santé, qui sont appropriées, qui sont bonnes. Vishramanam signifie se reposer. Donc c'est logique. Donc vous avez cette respiration rapide après l'activité. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il faut se relaxer, il faut se reposer. Et il faut prendre des choses qui sont bonnes pour la santé. Quelles choses? Vatagnashcha. Des choses qui vont finir avec le vata. Donc toutes les procédures qui sont bonnes pour apaiser vata dosha. Kriyakrama. Kriyakrama sont des procédures. Kriya, c'est faire. Le verbe faire, c'est faire quelque chose. C'est traduit du mot karma. Kriyakrama, c'est les procédures que vous devez réaliser, faire. Donc, quelles sont ces procédures? Se reposer et procédures qui sont bonnes pour la santé, pour apaiser le vata. Vatagna, ce mot gna signifie tuer. Donc, le sens littéral, c'est tuer. Et dans le sens ici, c'est de diminuer, de calmer le vata dosha. Ok? Donc, si vous supprimez l'atout, vous avez une liste de problèmes et après, il donne quelques solutions pour les résoudre. Si vous supprimez cette respiration rapide après l'exercice physique, vous avez une série de problèmes et puis il vous donne des solutions pour cette situation. Donc là, je vais voir vos questions. Et après, on va faire notre minute de sanskrit. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on va faire en une demi-heure, on a fait les deux shlokas. Donc là, l'idéal, ce serait de en une heure faire six shlokas, huit shlokas.
Et là, notre cours, il va commencer à avancer d'une façon très intéressante. Et on va pouvoir finir l'Ashtanga et le Charaka en vie. Et on n'aura pas besoin d'une intelligence artificielle pour le faire. Je serai très vieux en train de lire ce Ashtanga Hridayam Sutrasthana avec vous. Donc, j'espère qu'on arrive à avancer et qu'on puisse finir ça encore dans ma vie. Donc, c'est ça. Donc, je vais regarder ici vos questions de sanskrit et on va voir, peut-être qu'on va finir même un peu plus tôt, on verra. Ok, donc tout va bien. Umashaw, Sheila Jackson. Donc c'est maintenant que vous devez laisser vos questions. Donc je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Je vais imposer des questions comme devoir pour vous. Je pense que vous ne faites pas des questions, assez de questions. Et cette série, c'est pour des nerds, pour des vrais nerds. Faire des questions, poser des questions, c'est une façon de montrer que vous êtes en train de regarder, de lire et de réfléchir. Si vous êtes là et que vous avez aucune doute, c'est que vous n'êtes pas arrêté pour réfléchir. Et qu'est-ce que ça signifie? J'ai besoin que vous réfléchissiez. Donc, les questions sont nécessaires. Vous êtes 38 personnes ici. Donc, les 38, elles doivent faire au moins une question sur ça. Donc, ça, si j'arrive 30 minutes avant, je peux répondre rapidement à vous tous. Et donc, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, peut-être que vous êtes en train de regarder de façon passive. Mais ici, ce n'est pas un Netflix. Ici, c'est une étude. C'est pour que vous arrêtiez et vous réfléchissiez à tout ça. Si c'est ça, vous allez avoir au moins 10 questions différentes. Aujourd'hui, je vais faire léger. À partir de la semaine prochaine, j'espère que tout au long de la semaine, vous allez revoir toute cette étude et que tout au long de cette révision, il doit y avoir au moins une question pour notre groupe d'études. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne voulez pas étudier toute la semaine, si vous ne voulez pas translittérer, si vous ne voulez pas faire ces questions, vous ne voulez pas être dans cette série de Vidvedanta Samhita. Vous allez suivre les autres séries. Les séries des 0800, des autres séries, mais pas celle-ci. Ah, mais Mathieu, je suis en train d'être trop dur. Et oui, je suis dur. Parce que ceci, c'est une façon de suivre une formation qui est ultra traditionnelle. Et je ne veux pas que vous étudiez ceci de façon lévienne. L'étude d'Ayurveda, il est difficile. Donc, je préfère avoir 15 élèves dans cette étude, mais que ces 15 élèves, ils sont. Sérieux, plutôt que d'avoir quelque chose qui devient viral dans les réseaux sociaux et qui n'est pas vraiment sérieux. Donc, il faut réviser chaque lundi et vendredi, tous les jours, il faut répéter ces shlokas et vous devez jusqu'à mercredi prochain translittérer. Si on est allé jusqu'au shloka 14, vous devez translittérer jusqu'au shloka 16. Vous pouvez translittérer jusqu'au 17 même. Donc moitié du 15, le 16 entier et le 17 entier. J'ai pris 5 minutes pour translittérer ça avec vous. Et vous n'êtes pas encore fluent en sanskrit, donc vous allez prendre 20 minutes, 30 minutes. Mais vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a plein de gens qui paye pour avoir ce genre de cours et là vous l'avez gratuit. Vous avez besoin de réviser ce contenu les lundis et les vendredis. Vous avez besoin de translittérer les shlokas. Et donc je vais regarder ici les translittérations de vous. Vous devez lire tout ça, lire ces shlokas. C'est là. Tous les jours, lire un petit peu. Et vous avez besoin de ramener une question pour le groupe d'études. Donc, je viens de rajouter ça comme devoir. Si vous ajoutez
pas des questions, c'est que vous n'êtes pas en train de prêter attention. Et donc, le Matheus dans le groupe d'études, c'est un Matheus plus sérieux, c'est sûr. Plus dur avec vous aussi. Ok, donc on est ensemble. Donc, bonjour à tous ceux qui disent bonjour. Cléo Pereira, Sonia Lúcia, Maristela Robson. Maintenant, je dois apprendre à faire chacun des verses. C'est comme ça, exactement. Larini. Vous êtes comme moi. Je partage pas cette for ça avec Facebook et Twitter parce que j'ai pas Twitter. Moi personnellement, je n'utilise pas ces réseaux, c'est pour ça que je partage pas. Mais vous pouvez partager si vous les avez. Plus vous révisez les leçons, plus vous allez améliorer votre connaissance. On a déjà 118 cours gratuits ici pour vous dans le YouTube. J'ai habité 7 ans en Inde avec l'université en Inde qui coûte super cher. Et j'ai fait ça pour vous donner ça gratuitement ici sur YouTube. Vous imaginez ce que c'est ça? Donc, je vous demande vraiment de prendre ça sérieusement. Bonjour Mathéus, je suis content d'être ici en live. Super, merci. Je suis ici comme curieux. Donc, pour ceux qui arrivent comme des curieux, on va voir par la suite si vous sortez comme des élèves par la suite. Robson, j'ai une question sur la toux. Donc, tu es dans le quatrième chapitre. Vous avez déjà lu le premier, deuxième, troisième ensemble avec moi. Quel est le dosh qui est associé avec la toux? Quel est le dosh et subdosh qui est associé avec la toux? On va apprendre plus sur ça sur le chapitre 11. Si vous savez déjà, parce que vous avez fait des études en Ayurveda, vous pouvez lancer ici la réponse dans le chat. Ildemarquea, Robson, j'attends les réponses. Ildemarquea, qu'est-ce que tu recommandes pour dominer le sanskrit plus rapidement? Je recommande prendre dans le deuxième chapitre du Dinacharya Dhyayam, expliquer comment c'est l'alphabet. Donc, prendre un tableau de translittération pour commencer. Donc, j'ai déjà partagé mon tableau de translittération. Donc, si vous êtes en train de débuter et que vous êtes dans le groupe de Telegram, ce tableau, il est partagé là-bas aussi. Donc, l'idée, c'est que vous vous entraidez. L'idée, c'est de prendre le tableau et de translittérer en même temps. La façon la plus rapide d'apprendre le sanskrit, c'est de faire. Ricardo Barreto, j'ai entendu plusieurs définitions de Goulma. Non, vous n'avez pas écouté différentes définitions de Goulma. Vous avez écouté différentes traductions de Goulma. Quelle est la meilleure traduction? Il y en a. Il y a pas de bonne traduction. Toutes les traductions, elles ne sont pas bonnes. C'est pour ça que je n'ai pas traduit ici. Goulma, il n'y a pas de traduction. Goulma, c'est Goulma. Donc, on va comprendre mieux quand on arrivera dans le Nidanasthana. Donc, si tu as l'Ashtanga, tu peux déjà aller sur le Nidanasthana et regarder. Udana ou Avalambakakapa. Donc, j'ai Robson. Donc, savoir si la toux elle est liée à Udana ou à Avalambaka. Donc, il faut l'explication derrière.
Et Udan, c'est le soupe d'osh de qui? Et Avalambak, c'est la soupe d'osh de qui? Ça, c'est un groupe d'études des summits. C'est ça qui doit se passer. C'est avoir un échange. Malheureusement, c'est pas possible de mettre 40 personnes en live, mais dans le futur, on va faire ce groupe d'études tous avec les lunettes virtuelles, tout le monde assis ensemble. Aline, je suis désolée que tu sois si dure, j'ai l'impression que je dois quitter ce groupe. Et non, Aline, la dureté, c'est important. C'est important. C'est important qu'on mette la quatrième vitesse pour qu'on accélère. Il y a beaucoup de séries dans le Vidaved. Chaque série, c'est pour différentes personnes. Et cette série ici, c'est la plus difficile de Vidaved. Et c'est pour ça que je suis plus dure avec les gens. Je sais que pas tout le monde va être nerd ayurvédique, pas tout le monde va étudier. Ça, c'est pour très peu de personnes. Je pouvais dire que ça c'est pour tout le monde, mais c'est pas vrai. Même ici en Inde, dans des personnes qui lisent le sanskrit et qui viennent faire ça, il y a 5 personnes à chaque fois dans ce type d'études. Il n'y en a pas 100. Donc l'apprentissage, il est dur. Donc on donne beaucoup de contenu gratuit comme ça. Mais la série Vidavedanushamini, ça ne peut pas être comme ça parce que je dois respecter la tradition des gourous qui m'ont transmis cette tradition. Ma deuxième live, donc je vais essayer de courir derrière. Donc ça, c'est le profil des personnes qui arrivent et qui sont des nerds ayurvédiques. C'est très très bien. Je suis ici pour la première fois et tu es déjà en train de me taper dessus. Oui, mais c'est ça. Ici, c'est toujours un peu plus dur. Oroga Samoha. Oroga Samoha. Est-ce que j'ai écrit ça mal? Je me suis trompée. Roga Samoha, peut-être que je me suis trompée, je vais regarder ici. Ah, Rudroga. Rudroga Samoha. Rudroga Samoha. Non, c'est pas Samhoha. Je vais même mettre un petit peu d'espace ici. Pour Marc Fabio, pour que je puisse accompagner. Donc celui-ci, c'est le ce. Ce. Celui-ci, c'est un double M, M, M. Dans le sanskrit, on écrit M Holland plus M Holland plus O. M plus M Holland plus ça fait M. M. M Holland plus M Holland, ça fait M. Donc, Samo. Et donc, lui, c'est le Ha. 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 Samo. Ha. Donc j'ai mal écrit. C'est pour ça la question. Merci de me prévenir. Samo haha. Donc il est ici au milieu. Et donc il devient Alpavisarga. Ça fait un demi-visarga seulement. Mais vous êtes correct. Dans la prochaine fois, Marcouche. Vous devez écrire. Mathéo, tu es en train de translittérer mal. Raga Samoha. C'est pas possible de faire live dans le Zoom. Non, Robinson, c'est pas possible. Si je fais live dans le Zoom, je dois payer Zoom. Et là, ça serait pas possible. Parce qu'il y a. Donc je préfère faire cette live dans le YouTube et elle va être gratuite, ok?
Donc, il n'y a pas de questions. Donc, on va faire notre minute de sanskrit. Donc, dans la minute de sanskrit, on va continuer avec les sandhis. Donc, j'ai expliqué dans le cours dernier que sandhi, ce sont des procédures grammaticales. Donc, je suis en train de vous expliquer ça depuis quelques mois, que sandhi, ce sont des procédures grammaticales dans lesquelles vous prenez deux voyelles. Donc, ici, on parle de sandhi juste avec les voyelles. Et donc, on devrait identifier dans ces shlokas une série de sandhis ici. Si vous voulez regarder, vous allez voir Shwasa, Shwasaruchi. C'est ça, c'est Shwasaruchi. 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 Ça fait E et E, ça fait A. C'est un sandhi. Donc j'ai déjà fait un tableau de sandhi. E plus E égale à A. I plus I égale à I, etc. Égal à O, E mais U égal à O também. Donc on va continuer ce jeu ici. Je ne prépare jamais, je fais toujours le même erreur. Je prépare jamais la minute de sanskrit. Donc j'arrive là et parfois je fais même des bêtises. Ça va pas arriver aujourd'hui, j'espère. Donc ceux-ci sont les plus basiques de tous. Donc il faut aussi commencer à identifier ces sandhis. Donc là, je vous ai parlé de Shwasaruchi. Et donc ça fait Swasharuchi. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ça, sur le sanskrit, sur ces tableaux en sanskrit qu'on a vus? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des difficultés sur les sandhis, vous pouvez les mettre. Laline, merci, beaucoup de gratitude. Je suis libre dans cet horaire. Super, je peux me dédier à la au Vedanta Samhita. Ça, c'est super. Ok. Donc, on va continuer. Qui, eu acho que é Donc, je pense que Krish Dantas, elle m'aide toujours avec ça. Parce qu'avec ces principes basiques de Sandhi, j'ai toujours des difficultés. igual. E plus E. Gente viu. Donc on a vu que E plus I égale à E. Et maintenant on va E plus un E égale à I. E. Mas E é igual a I. E eu já expliquei. Donc j'ai déjà expliqué ça. Une chose qui est importante, c'est quand vous avez une consonante, j'ai tout expliqué dans le chapitre 2, comment on va mettre une voyelle avec une consonante. Quand vous avez une consonante, par exemple K, ça c'est le K. Si vous prenez la consonante K et vous la prenez crue, ça c'est K Holland. Ça c'est simplement le K. Si on mélange le K Holland avec A, ça se transforme en K. Si je mélange le K Holland avec E, ça devient K. L'indicateur de ce qu'il y a un E à côté du K, c'est un trait par-dessus. Comme si c'était un accent aigu sur le K. Si vous avez un E, vous mettez un trait par-dessus. Si vous avez un K Holland et que vous mélangez avec un œil, celui-ci,
Ça, c'est un œil. Si vous mélangez avec un œil, ça fait œil, avec deux traits par-dessus. Quelle est la confusion que les personnes font ici? Le œil le i se transforme en œil avec un trait par-dessus, mais quand vous appliquez le œil au que, il finit avec deux traits par-dessus. Ça, c'est la confusion que tout le monde fait. Tout le monde pense que celui-ci est le cueil parce qu'il y a un trait. Mais le que avec un trait, c'est un ke. Et le que avec deux traits, c'est un cueil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kuna sandhi. C'est un sandhi qui vient d'un autre sandhi. Donc il y a déjà un autre sandhi à l'intérieur. Donc c'est comme s'il y avait e plus i. Donc e plus i c'est égal à et plus e plus e c'est égal à œil. Donc ça c'est basiquement le œil qui crée beaucoup de confusion. Donc la prochaine on va faire le o. Et donc on va faire pareil avec toutes les voyelles. Donc il y a d'autres choses à voir, mais donc on va attendre un petit peu pour aller progressivement. Je vous ai déjà enseigné toutes ces voyelles là dans l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 2, dans les minutes de sanskrit. Denise dit c'est plus difficile que le japonais. Oui, sûrement, parce que le japonais c'est assez facile. Le japonais traditionnel, il fallait écrire comme le chinois. Donc chaque mot est différent. Mais le japonais, c'est assez tranquille. Il y a beaucoup de phonèmes. Mais le sanskrit, c'est beaucoup plus complexe. Juste en voyelle, il y en a plein. Donc il y a des choses qu'on a même pas, on va même pas étudier parce qu'on n'utilise pas dans les samhitas ayurvédiques. Ok, donc est-ce qu'il y a des questions? On a encore 2 minutes pour répondre à vos questions. Ne me cachez rien, ça c'est le moment maintenant de poser vos questions. Eric, Krishdantas, super, ouais, heureusement que tu es là, tu vas m'aider avec le sanskrit. Donc désolé pour les petites erreurs, comme je fais tout dans le moment, des fois je fais des erreurs. Donc Eleni, vous venez de commencer, ben super, vous pouvez commencer là dès le premier épisode. Ça c'est une série séquentielle, donc c'est pas possible d'arriver juste là, il faut recommencer tout dès le départ. Louise Magalhães. On pourrait faire des exercices de révision par chapitre. Donc ça, c'est l'exercice de révision. C'est ce qu'on est en train de faire. Quel est l'exercice de révision de cette semaine? Si on s'arrête pour réviser le chapitre, tout le monde s'arrête. L'idée, c'est de réviser à chaque semaine parce que dans les summits, à chaque chapitre, on va réviser les chapitres précédents. Vous voyez dans le 4, il est où notre ami Robson? Il n'a pas répondu à ma question sur la Valambak. Donc, Robson, il est en train de parler des subdoshas, donc il est en train de parler des autres chapitres. Donc, cette révision, elle se passe automatiquement et naturellement avec les samhitas, parce qu'on est toujours en train de parler des choses qu'on a déjà vues auparavant. Eric demande qu'est-ce qui est Alichavad. Et donc là, il y a un problème. Donc je pense que tu es un peu perdu parce que tu dois arriver là pour la première fois. Donc là, on est dans le chapitre 4. Le Dinacharya, c'est le chapitre 2. Ah, c'est pas Dichavada, c'est Dinacharya.
Donc, ça, c'est le chapitre 2 qui est tout traduit, tout commenté. Vous pouvez aller regarder. Donc, ça, c'est une série qui est séquentielle. C'est pas possible de arriver ici et suivre le train en marche. Il faut retourner là dès la première leçon. Donc, vous pouvez prendre le matériel et relire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand la personne elle supprime. Elle arrête ses besoins physiologiques. Qu'est-ce qui se passe quand la personne va supprimer son sommeil? Qu'est-ce qui se passe quand la personne va supprimer la toux? Il faut toujours réviser ça, toujours. Tous les jours, il faut lire ces shlokas 3 fois. Tous les jours, il faut lire 3 fois. Combien de temps ça prend? Je sais pas, il faut chronométrer. Donc je vais lire ici 3 fois pour que vous puissiez avoir une idée. Tous les jours, il faut ouvrir votre cahier. Asasya rodhatat vrudhi shwasa ruchi hrudamayaha. Kasasya rodhatat vrudhi shwasa ruchi hrudamayaha. Kasasya rodhatat vrudhi shwasa ruchi hrudamayaha. Shoshohid machakaryetra kasasa sutara vidihi. Shoshohid machakaryetra kasasa sutara vidihi. Shoshohid machakaryetra. Karyotra kasa sa sutara vidihi gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat gulmahrudroga sammoha shrama shwasadvidharitat hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha. Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha. Deu 1 minuto. Donc c'est 1 minute, j'ai chronométré. J'ai pris 1 minute pour faire ça. Donc c'est 1 minute tous les jours. Ah, mais moi je suis plus lent, j'arrive pas à faire avec cette rapidité. Pas besoin de faire avec cette rapidité. Si vous faites 5 fois plus lent que ce que je viens de faire, ça fait 5 minutes. Donc 5 minutes par jour, vous asseyez et vous répétez ça. Et donc ça va arriver et rentrer dans votre mental petit à petit. Ça fait partie du processus de apprentissage. Donc revoir la leçon 2 fois par semaine, lire tous les jours. Translittérer jusqu'au shloka 18 et quatrième devoir, amener une question sur les shlokas qu'on a vus. Comment on va réviser ça 2 fois? Ça va créer des questions et donc vous devez venir avec 2 questions sur ces shlokas, ok? On va voir les dernières questions. Devachar, c'est chercher. Des chavards. Où est-ce que vous avez vu des chavards? Je ne sais pas ce que c'est ça. Vous parlez de sanskrit ou de portugais? Des chavards, en portugais, c'est cacher quelque chose. Donc, je pensais qu'on était en train de parler de dinacharya. Donc, Robson, on n'est pas en train de parler de apana. La suppression de kas, de shamashwas, quel est le subdosha de vata qui reste aggravé? C'est un devoir pour toi spécifiquement, Robson. Deshaval signifie séparer. Dans le Rio de Janeiro, signifie quand vous montrez pas quelque chose. Donc j'ai un stylo, mais je suis en train de déchaver ce stylo. C'est caché. Gardez pour moi. Bon, désolé pour vous, je suis en train de mélanger avec le langage du Rio de Janeiro. Donc il faut déchaver et ça. Donc ça, c'est un jargon de carioca. Je suis désolée. Ok, donc on a déjà passé d'1 heure. Merci beaucoup pour toute la présence de tout le monde et on se voit dans le prochain mercredi.
Shaktanushaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moha Ratidanchakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai.